أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Par contre, les fruits de ta da'wa, les fruits amers, les fruits empoisonnés de ta da'wa commencent à se propager de plus en plus, que tu commences à faire de plus en plus de vues, à avoir de plus en plus d'abonnés, oui, là, ça devient un devoir pour les étudiants en sciences de se prononcer. Et il faut arrêter aussi de jouer les poules mouillées et de dire, ah oui, moi je suis un étudiant en sciences, mais moi je parle pas de ces sujets-là. Moi je veux pas me mouiller. Ah, c'est ton devoir. Je sais bien que t'as pas envie de perdre des abonnés. Nous, on en perd tous les jours des abonnés. Figurez-vous. Tous les jours, nous perdons des abonnés, nous perdons des followers. Parce que, voilà, dès que le discours est un peu trop dur, un peu trop rude, un peu trop rigoriste, dès que ça commence à parler de mise en garde, dès que ça commence à parler de salafia, ça fait fuir les gens. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Parce que ces gens-là veulent, comme on l'a dit souvent, qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre et non pas ce qu'ils doivent entendre. Ces gens-là, et on veut qu'on leur dise, vous pouvez écouter tout le monde, la vie est belle. Continuez à écouter Ismaël Mounir, on ira tous au paradis, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez, ne portez pas le voile, fêtez Noël avec les koufars, tout va bien, c'est ça que les gens veulent. Donc si tu leur dis le contraire de ça, ils vont se désabonner forcément. Et malheureusement, on ne juge pas le secret des cœurs, mais on a des frères, Tullab Aïm, sur la salafia, nous on ne les sort pas de la salafia, ils sont sur la salafia, mais malheureusement ils pêchent, ils ont un petit manquement sur ce domaine, et je vous rappelle que c'est un pilier de la salafia, qui est le fait de mettre en garde contre les innovateurs. Et prenez tous les frères salafis très connus, prenez tous les frères très connus de la salafia, et regardez combien font l'effort de s'acquitter de ce devoir. Je rappelle que c'est un devoir qui leur incombe de mettre en garde leur public, le public francophone, contre les sectes, contre les hérésies, contre les imposteurs, contre les gens du dalal, etc. Je citais Mohamed Wora, alhamdoulilah, Mohamed Wora était l'un des premiers. Et c'est l'un de ceux qui s'attellent le plus à cette tâche. Mais Mohamed Wora, meskin, il est bien seul. Et sans vouloir prétendre être au niveau de Mohamed Wora, puisque moi je ne suis personne, mais parfois je me sens seul aussi. Je vous avoue que parfois je me sens seul et qu'on aimerait bien que nos compères parlent un peu plus sur les gens de la bid'a, les gens des passions, afin que l'on ne dise pas, ah oui, mais en fait, Sami Philippe et Mohamed Wora, c'est les deux petits, c'est les deux vilains canards de la da'wa. Parce que c'est les seuls qu'on entend parler sur les autres. Les autres tullab ne parlent pas sur les autres. Parce que c'était ça le minhaj d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin al-Albani. Ils ne parlaient pas sur les gens. Or, on l'a prouvé dans le cours précédent que nos grands érudits parlaient sur les gens. Et on va, Inch'Allah, le prouver à la fin du livre, bi'ivnillah. On a dit que Cheikh Ibn Baz avait même fait le takfir de certains du'as, de certains prédicateurs. Cheikh Al-Fawzan a fait de grandes critiques de Abdullah Al-Mutlaq, etc., etc. Cheikh Mokbil aussi. Cheikh Mokbil, il a complètement tailladé en pièces Al-Qardawi. Al-Qardawi, ça reste un savant diplômé d'Al-Azhar, mais il l'a appelé Al-Kalbul Rawi. Al-Kalbul Rawi, Al-Kalbul Rawi, c'est le titre de son livre, c'était Iskatul Kalb Al-Rawi ou Al-Rawi Yusuf Al-Qardawi. Réduction au silence du chien enragé, Yusuf al-Qardawi. Et vous nous dites, nos grands savants de la salafia, eux, ils ne critiquaient pas les autres savants, ils étaient toujours dans la gentillesse, dans la bonté, dans la douceur. Et vous ne suivez donc plus Cheikh Mokbil tout d'un coup? Donc attention à ne pas dévier dans le laxisme. لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس انا لست صوفيا اطوف بقبة انا